Bienvenido a Malaga! On vient d'arriver à Malaga, Malaga qui est une ville située au sud-sud de l'Espagne. Pour venir, on a pris l'avion et ce qui était rigolo, c'est que c'était la première fois que les filles prenaient l'avion. Donc tout de suite, un petit extrait. Bon, ben, ça commence. Je t'appuie, tiens, je tiens de ma mère. Là, ça... C'est parti. Bienvenido a la casa. Oui, muy bien, muy bien. Aquí es el salón, je sais pas comment on dit. La cocina. La cocina. La cocina. La cocina. Oh, faut pas que je me tape la tête. Non, la chambre con las slipas. Il y a des slips. Ah si, aquí il y a des slips. Et ben voilà. C'est rapide. À tous ceux qui doutaient de notre détermination, ce matin on s'est levé à 5h, histoire de prendre le premier bus de cette ligne. Aujourd'hui, direction Nerja. Nerja. Et surtout, Frigiliana. L'idée c'est de visiter une ville côtière pour voir de la flotte, des cailloux. Je suis pas sûr que je rends bien le truc, les filles, il y a d'autres cailloux ou quoi? La flotte, des cailloux, il y aura des plages. Il y aura des plages, il y aura du sable. Et c'est typique espagnol. C'est typique espagnol, la flotte et les cailloux. Non mais non. Bref, un beau petit programme, on espère qu'on aura beau, on est parti. Alors, ne pas se tromper d'arrêt de bus, check. Se lever à temps, check. Voir la plaque africaine, check. Ça fait déjà 3-4 victoires alors qu'il est... Bienvenido a Nerja. Oh là là, ça y est, c'est le running gag. Et regardez-moi cette flotte. Ça change des abdolones, hein. On avait dit qu'il y avait de la flotte et des cailloux. Et du sable là-bas. Et du sable là-bas, mais je l'ai bien vendu le truc. Je l'ai bien vendu. T'as de la flotte comme ça, Chloé, en Vendée? Je crois pas, non. Finalmente, changement des programmes, on va où? Comment on appelle ça? Frigiliana. On va à Frigiliana. Frigiliana. Bah, on va là-bas, quoi. Vamos a Frigiliana. Muy perfecto. J'ai oublié un détail qui a son importance, comme dit Clément. On a 2 heures de marche. Oh. Wouh. Un petit peu moins, 1h40. 1h40, faut le préciser. 1h42. Donc avant de faire quelques plans de coupe, il faut expliquer, faire une petite remise en contexte de pourquoi on est à Frigiliana et plus à Nerja. En fait, on va y retourner à Nerja. Juste, on a fait un petit détour ici, parce que selon Chloé, tiens, t'es là, c'est parfait. Selon moi et selon l'internet, c'est une des plus belles villes d'Espagne à visiter autour de Malaga. Frigiliana, ça a sa petite réputation, donc on s'est dit qu'on allait y aller. Après est venue la question de comment y aller. On avait 2 options, soit le bus, soit à pattes. On a marché, et après, mais trop pas dangereux. La petite route, pas la petite route. Grosse route. La grosse route, avec beaucoup de voitures. Sans trottoir, surtout. Sans trottoir. On s'est ravisé et on a pris le bus.
mais c'est du Spider-Man ou quoi là? Voilà. Gracias. Bon, c'était pas le meilleur exemple, mais ça vous montre comment Valentine, grâce à elle, on arrive à se faire comprendre des Espagnols. Le pique-nique sort du sac. Parce que le pique-nique, c'est quelque chose. Déjà, on a tout prévu. Et surtout, oui. Le sac à pique-nique, c'est voilà. Trop long. Qu'est-ce que c'est que ce pique-nique? Oh, il a été écrabouillé. Oh, voilà. La gueule du pique-nique. Oh. Bon appétit, hein. Ça y est, on a atteint le point culminant de ce voyage. Je pense que je passe ma meilleure vie. Comme vous pouvez le voir, les copains sont dans la flotte. Moi, je suis tranquille, je suis pépouze, je les entends plus. Oh, le bonheur. Oh, le bonheur. Ils veulent que je vienne et je protège les affaires, moi. La main dans le dos. Hein. Oh. La main dans le dos, ça fait... C'est très professionnel, ça. Par contre, le jeu, il est moins. J'essaie d'être professionnel pour être professionnel. Ah putain, ça me rappelle quand je les suppos quand j'étais petit. J'espère que ce sera dans le vlog. Ça me fait toujours rire ce moment. Ce matin au programme, nous allons visiter la citadelle des Maragas, qu'on peut appeler la Casaba. L'Alcasaba. L'Alcasaba. Et ça, c'est le premier site touristique qu'on va faire ce matin. Et le second, qui est au même endroit, c'est le château El Castillo. Gibralfaro. C'est une citadelle, donc elle est en trois parties. La première partie, elle a été construite pendant le 11e siècle et la deuxième pendant le 16e, donc les deux pendant la période califale. Mm-hmm. Et la troisième, 19e, en mémoire de l'architecture califale. Je sais pas si on les voit, mais monter, c'est rigolo parce que... Bah, je sais pas, j'aime bien, on galère. C'est plus gratifiant de monter et d'arriver au bout de faire « Oh putain, j'ai monté tout ça, que prendre l'ascenseur ». Ouais. Pour la sensation à la fin. Ouais, plus gratifiant. Les mollets, par contre, eux, prennent cher. T'as des beaux petits mollets après. Ouais. Après la montée de cette montagne, nous sommes enfin arrivés à l'entrada de Castillo de Gibralfaro. Quel accent. Merci. Incroyable. Muy bien. Maintenant, ce qui va être rigolo, c'est de voir l'arrivée de Clément et Valentine, qui ont l'air de kiffer ce décor penché à 50 degrés. Bon, j'exagère peut-être un peu. Oui, il était bien raide. Bravo, vous êtes arrivés à destination. Si on voulait avoir une belle vue d'ensemble de Malaga, je pense qu'on a trouvé un bon spot sur ce château. Ah oui, je confirme, on voit bien. Je pense que si on se met là-bas, on verra la cathédrale et ça sera ouf parce qu'elle est tellement grosse qu'elle domine un peu la ville. Bon, là-bas, il y a le port industriel, le port un peu plus moins industriel. Là, il y a la ville, là, il y a la montagne. On sort de boire un verre, on repart para El Castillo Gibralfaro. Je suppose que oui. Si. Je passe pour un con qui demande du film. Oui. T'as dit du film? Oups. Let's go! On a la séquence! Youhou! On a la séquence clé! Bah, on n'a pas encore trouvé la cathédrale, mais on a trouvé arènes. Ça. Les arènes de Malaga. Je l'aurais pas en espagnol. Les arènes de Malaga. Bah, las arenas de Malaga. Paf. D'ailleurs, si on a toujours la chance de nous entendre malgré le vent, là-bas, c'est le cube, le centre Pompidou. On remplit l'objectif de la mission. La cathédrale. Elle est là-bas. Pour rappel, le début de la vidéo avec l'introduction avec Valentine, c'est sur ce truc blanc qui est juste ici, au bord de l'eau.
Ok, j'arrive. Nous venons d'arriver au jardin botanique qui se situe aux extrémités de Malaga, donc on a dû prendre le bus. On vient de rentrer, donc on va découvrir tout ça. Attendez, venez, on lui dit de monter. Non mais vas-y Chloé, monte, 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 monte. Bouge pas. Oh, ça y est, les vacances commencent. Let's go. Oh, je sais pas comment on allait s'en débarrasser, mais c'est bon. On va tomber. Okay. Elle suit ou pas? Oh, c'est bon, elle est pas là. Let's go. Allez. Espagne. La rosa. Bah faites-moi un bruit, elle va nous trouver. C'est vrai. Aki. À la bout de la mouette. Le cordon. Tu fais bien. Est-ce que ça sent la Vendée par là? Titi. Ah. Où est-ce qu'elle est? La blague, elle se retourne contre nous. Chloé! Où est-ce qu'elle est passée? On suit le chemin. Oh. Chloé, t'es cachée? Chloé! J'ai fait le tour du parcours, mais elle est pas là. Voilà. Elle est là, Chloé? Ben, je l'ai pas trouvé. Oh putain, faut l'appeler. Mais c'est plus une blague. Ouais. Elle m'a dit venez, c'est super beau, mais venir où? Mais venir où? Je suis allé là. Je suis allé au bout du chemin qu'elle a pris. Elle nous a pas entendu faire nos conneries? Bah du coup tu pourras quand même le garder dans le vlog. Oui. On arrive Chloé! Attendez, faut remettre la mouette. Faut que tu lui montres la non, vidéo. Je fais juste le son. Attends, on va te montrer une vidéo Chloé. On va te montrer une vidéo. J'ai juste continué. Ça va? J'ai cru, bah oui, moi ça va très bien. Ah non, okay. On a cru que t'avais mal pris notre blague. Ah bah non, mais pas du tout. Mais tu sais qu'on a fait une blague, tu nous as entendu ou pas? Non. Attends, je vais te montrer. Alors, on est au restaurant. Clément nous a offert des mystérieuses cartes. Oh, c'est très cool. Mais il y en a plein. Non, mais d'abord, faut prendre le truc blanc qu'il y a devant. C'est toi qui l'as rajouté? Oui. Ça va nous faire chialer. C'est sûr. Difficile de filmer les deux en même temps. Va faire. Hop là. J'ai rien compris. Oh là là, c'est une. Oh là. Parce que... Ah bah vous pouvez hein, moi je le veux vous disiez. Et toi aussi hein. Quoi? Genre faut faire quoi? Ce sera peut-être plus logique que ça. Bon. Tu fais des fautes. Ta gueule. Oh le connasse. Filles, mes filles elles vont chialer. Pourquoi elles vont au futur? Je peux pas dire, je vois pas la... Bah essuie tes yeux tiens. Allez. T'as fini Chloé? Bon, la grise, ça va être cool, quoi. Tiens, la grise. Putain, elle est super longue, la grise de course. Moi aussi, j'étais. Je peux pas passer du côté là de la table, mais ça va partir en coupe. C'est fini. C'est fini. Après, vous avez toutes les photos. Et c'est toutes les photos que j'ai de vous depuis que je vous connais. Mais je la connais pas, cette fois. C'est trop
Mon mur, il va être rempli là. Ah ben là, je suis bien. Je vais mettre du plat pour m'endormir en face de Piedmont. On était bien chaud là. Ça fait 2 mois que j'ai prévu ça. Et j'ai écrit les textes en allant à Lisbonne. Ah ouais? Je savais pas quoi faire dans l'avion. Oh wow, la meilleure. Ça c'est ma préférée. C'est ma préférée. Loser. Oh merde. Je pense que loser. Il y a du surimi, il y a des crevettes. On arrive sur une fin de voyage puisque nous sommes de retour à l'aéropuerto. Nous avons dormi là-bas il y a littéralement quelques jours. D'ailleurs, je ne vous recommande pas de dormir dans l'aéropuerto. Non, 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 je recommande pas non plus, non. Pas très agréable comme lui. Ah, c'était trop bien. Elle a niqué la séquence. Madre mia, que de paso. Regardez-moi tout ce monde. Il faut qu'on se repère là-dedans. D'ailleurs, Chloé, tu t'es cassé la gueule là? Non. Let's go, c'est dans la boîte. Merde. Alors, Bordeaux, c'est où? Ça s'arrête à 20h15. Non, 22h15. 27h54, Bordeaux. Bordeaux, c'est nous. Et on s'apprête à prendre l'avion par la porte des artistes. L'entrée des artistes. Là, c'est l'avion? Ouais. Attends, mais on rentre direct dans l'avion, là? Oh, mais moi, je m'imaginais déjà filmé sur le tarmac. C'est rigolo de rentrer de cette manière. J'ai l'impression que c'est une navette spatiale. C'est vrai. Il y a un délire. Nous sommes rentrés dans l'avion. Il s'agit maintenant de trouver notre place, spécifiquement la nôtre. Pour trouver notre place, il suffit juste de lever la tête. On a des petits numéros ici qui correspondent justement au numéro qui est sur notre billet. Là, il y a mes potes. C'est un tuto avion. Exactement. Il est interdit de fumer dans l'avion. Ouais. Elle a dit c'est un tuto pour l'avion. Je dis oui, carrément. J'ai bien trouvé ma place au 32D. Clément et Valentine, ils ont bien géré leur coup parce qu'ils sont bien à côté tous les deux. Parfois eux. Et Chloé, elle est tout au fond là-bas toute seule. À l'avant de l'avion.